La lumière reste un leitmotiv, et plus que ça, reste quand même une charge qui a souvent, toujours dynamisé ma vie. C'est simple, je vais illustrer ça par une petite métaphore, et qui n'est pas une métaphore parce qu'elle est réelle. Je ne dors jamais dans une chambre obscure. Alors ça depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une petite lumière. Alors cette quête de lumière était restée omniprésente dans mon travail. Et on le remarque dans les trouées de lumière, ce qu'on a appelé des portes ou des ouvertures, dans les niches, avec toute la métaphore pensant à le Mishkat, dans les tables des dieux et les espaces scéniques, sur mes dômes. Le dôme en soi, moi je peins pas des marabouts en guise de carte postale, où il manquerait plus que le cactus et un chameau. Non, comme j'ai toujours dit, c'est devenu un motif pendant une période qui dynamisait mon acte de peintre. Mais la lumière, effectivement, est toujours là. Elle passe bien avant la couleur. Et cet hommage aujourd'hui au musée, qu'est-ce que ça représente pour vous ? D'abord, c'est une joie. Ça me fait énormément plaisir. Je peux aussi raconter qu'il y a... Hier, quand on avait terminé l'accrochage, bon, quand j'ai fait le tour, première expression, c'est j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que, quelque part, j'ai commencé à constater que... Ben, j'espère que j'aurai encore des choses à dire, mais que beaucoup de choses sont derrière moi. Beaucoup de choses à faire aussi. Il y a toujours des choses à faire. Non, il y a toujours des choses à faire. Je l'espère, bon... 2021, il y a des choses à faire, Il y aura des manifestations, des expositions, des voyages, des pérégrinations et des tableaux, et peut-être autre chose, des sculptures ou autre chose. Enfin, nous arrivons au moment de cette exposition qui a été reportée deux fois. Tout le monde a tenu bon, les organisateurs, l'artiste, l'équipe curatoriale, les scénographes, pour qu'elle puisse voir le jour. Eh bien, elles sont combien les œuvres, les tableaux ? Alors, il y a une centaine d'œuvres. Que vous avez classées entre ? Alors, l'exposition, elle est séquencée, il y a 6 séquences. Voilà, les séquences, ce sont schématiquement, elles suivent schématiquement une chronologie, bien entendu, un artiste, il y a tout le temps des périodes qui débordent les unes sur les autres. Mais en tous les cas, je pense que le public pourra voir l'œuvre d'un très grand peintre. Les auteurs, en fait, ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce qu'il y a la Fondation nationale des musées en tant qu'institution qui a organisé cette manifestation, avec bien évidemment la contribution, et le musée avec bien évidemment la contribution d'un certain nombre d'établissements, d'institutions. Vous pouvez voir sur l'ours de l'expo, la quasi-totalité ou la majorité des gens qui ont contribué à la réalisation de cette expo en prêtant les œuvres, en intervenant pour avoir des prêteurs, etc. Donc je dois dire que, comme ce que je disais tout à l'heure, 39 prêteurs marocains, particuliers institutionnels, qui ont fait confiance à la fois à l'artiste et qui ont fait confiance aussi à l'institution. Aujourd'hui, la visite va vous permettre de découvrir les œuvres du début des années 70, des œuvres de début du parcours de l'artiste, des œuvres des années 80, 83, 84, 85, la période parisienne de l'artiste, et des œuvres qui ont été réalisées tardivement, c'est-à-dire, et des œuvres qui ont été réalisées juste pour l'exposition.